Catherine Ribeiro et Alp sont un groupe dont on parle beaucoup en ce moment. Après un passage assez extraordinaire, un véritable triomphe au Sigma à Bordeaux, des articles dans la presse pop sont parus sur Alp et sur Catherine Ribeiro, qui allait même jusqu'à comparer le groupe avantageusement à Pink Floyd. Voilà, c'est assez intéressant pour que nous, nous allions voir Catherine, nous allions lui rendre visite à la campagne pour voir quelle musique fait Alp et qu'est-ce que chante Catherine Ribeiro. Je me souviens bien, vous étiez tous les deux, Catherine et toi. Depuis le début, oui. Depuis le début. Et puis ensuite, eux sont venus. Quand ? Les frères Lemoine sont avec nous depuis peu de temps, finalement. Donc on a changé pas mal de musiciens en 3 ans et demi, 4 ans. Vous avez fait un film ensemble ? On a tourné les Carabiniers de Godard en 1962. Et Patrice, alias Albert Juros, dans le film, c'était lui qui jouait le rôle du débile mental. Ça n'a pas changé. Et puis un jour, j'ai rencontré un type qui m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu chantes bien, il faut chanter. » Moi, j'avais aucun plaisir à chanter non plus. Alors, déjà à l'époque, j'écrivais quelques textes, mais paraît-il que c'était déjà osé, enfin, je sais pas. C'était avant un peu Paul Naref. Finalement, j'ai chanté quelques merdes. Et Patrice m'a dit, écoute Catherine, écris des textes et je te promets, maintenant je vais mettre en musique. Alors on a travaillé plusieurs mois comme ça. Comment ça se passe la musique pour toi? Tu étais un musicien classique au départ? Oui, je fais de la guitare classique au tout départ. Et ces instruments absolument bizarroïdes qui font partie C'est la guitare, c'est rien. Je tourne. La guitare, un truc qui me plaisait beaucoup, c'était Villa-Lobos, une histoire de dissonance dans les cordes, tout ça. Puis on a dérivé, on a mis de l'électricité là-dedans, tout ça. Puis on a additionné les cordes. Et ça a donné des sons de plus en plus bizarres. Une espèce de truc bricolé avec du mécano, c'est quoi? C'est un percuphone. C'est une pale qui tourne sur une corde de basse. Une pale, disons, un médiator mécanique, sous forme d'hélice, qui tourne sur une... qui heurte une corde de basse. Et ça produit un bruit de percussion, comme un médiator sur une corde, mais en temps régulier, on peut augmenter la vitesse. Si tu veux, c'est l'inverse d'un batteur. Le plus difficile, ça sera de faire un coup. Tandis qu'un batteur s'est fatigué à faire un roulement très rapide. C'est-à-dire que si tu laisses continuellement le doigt sur la corde, ça fait tac 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 comme ça. Tac 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 tac. C'est vraiment bien.
Non, et puis c'est sûr, tu as la percussion sur deux octaves et demi. Il faut plus parler de 12 mesures, il faudrait arriver complètement à sortir de ça, de ne plus compter. Nous, on compte, par exemple, dans notre musique, on compte plus du tout. On compte absolument pas. On a fixé certaines choses, certaines structures, et c'est la difficulté, c'est qu'il y a des moments très... Des fois c'est très mauvais, des fois c'est vraiment fantastique. La pop en France, je trouve que les paroles sont d'une médiocrité généralement, mais alors... Et je veux pas dire par là que moi j'écris bien, c'est pas ce que je veux dire du tout. Hein. Je ne cherche pas à écrire de la poésie, à faire de la poésie. J'écris, tout simplement, parce qu'il faut bien le faire. Mais quand j'écris, j'entends une musique sur chaque mot. Et je pourrais avoir un mot de 10 pieds, par exemple, et j'arriverais à le chanter en français. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'est pas possible de chanter sur un texte français. Paix à nos générations dégénérées. Dans les temps qui viennent, ce soit plus Catherine Révérot, plus Alpes, mais Alpes tout court.